Bonsoir. Bonsoir. Et nous avons constaté votre présence dans nos installations. Pouvez-vous le dire, les pourquoi? Bon, je suis d'abord, je veux me présenter. Justement. Oui, Madame Fallon Dokusa. J'ai attendu des décas. Deka qui signifie Dibundu Kimbangu. C'est pour cela que je suis venue ici, envie de connaître plus ce que Deka fait. C'est pour cela que vous venez de voir ma présence ici. Je suis venue pour voir ce que vous faites. Ça m'a épatée. Dans notre République, précisément RDC et à Kinshasa, c'est la première fois de trouver une ONG de la façon. Je suis vraiment ravie. L'accueil impeccable. Donc je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire, mais ça me trouble même. Je manque même de mots. Mais je suis ravie, je prie à l'Éternel Dieu qu'il puisse venir, qu'il puisse envoyer des partenaires, que notre activité aille de l'avant. Plus précisément, de quoi avez-vous parlé? Ouais, moi je suis ici, je suis venue ici pour voir ce que vous faites. Moi, je suis journaliste en formation, je fais la presse écrite. Je travaille plus au plateau de Bateke, je fais la presse éco du plateau. Et je mets mes hectares au plateau de Baté, qui est précisément à Itrac. C'est pour ça que je suis venue ici pour chercher l'aide. Mais à la main, nous soutenons notre ONG pour que l'on puisse aller de l'avant. J'ai de l'espace, mais je manque le financement pour travailler. C'est pour cela que je suis venue chez vous pour que nous tous ensemble, qu'on fasse des travaux pour que notre ONG parte de l'avant. Donc, votre souhait, c'est de signer, de conclure un partenariat? C'est ça. Alors? Bien évidemment. Qu'est-ce que vous êtes dit par rapport à cela? Oui, avec le temps, je suis là, je suis déjà membre de l'ONG. Et je sais qu'avec le temps, on serait ensemble. Qu'est-ce que vous faites précisément? Vous parlez, donc vous dites que vous êtes au plateau de Bateke. De quoi parlez-vous dans les journalistes au plateau de Bateke? Ce que je parle dans notre journal, c'est la promotion de terre que le chef coutumier dispose. Parce que là-bas, il n'y a pas de partenaire. Il y a beaucoup de terre, beaucoup d'espace, mais il n'y a personne pour l'exploiter ça. Nous avons beaucoup d'espaces, mais il n'y a pas de partenaire, il n'y a pas de personne pour l'exploiter. C'est pour cela que je suis ici, pour qu'on fasse l'exploitation de cette terre-là. Donc, en même temps, vous profitez pour passer les messages, oui, afin que les autorités puissent nous soutenir. Voilà. Un regard vers, ouais, ce côté-là. Oui, vraiment. Et à part ça, on parle encore de la vie coutumière. Hein. Comment on installe le chef coutumier, comment le chef coutumier se marie, et c'est ça. Donc, vous vous intéressez à cela? Oui, oui, vraiment. Merci, madame. Merci beaucoup. CG, une fois de plus, vous venez de recevoir une visiteuse. Sa présence ici, qu'est-ce que ça vous dit? En tout cas, c'est un sentiment de joie, parce que voir une dame qui entreprend de très belles initiatives, ce n'est pas le moindre. Et de tout ce que nous sommes dit, je crois que nous allons signer un partenariat et ensemble nous allons travailler comme elle a entendu parler de nous, pardon. Et je crois avec tout ce qu'elle fait et avec tout ce que nous organisons, et nous allons très bien évoluer pour l'avantage de la jeunesse congolaise. Donc elle est venue pour un projet de partenariat. Un projet de premièrement s'en prendre de DECA, voilà, et puis après les explications. En tout cas, elle était très satisfaite, très joviale même. Et par après, on a discuté pour les partenariats, comme c'est la première fois. Je crois que c'est déjà sa maison. Elle reviendra au moment voulu. Si elle est libre, elle peut passer comme tout le monde. Donc c'est déjà sa maison. C'est déjà sa maison. Mais pour conclure les partenariats, afin que Dibundu puisse marcher ensemble avec Maman Fallon.
Fallon et le Koussa? Oui, on est encore en processus de pourparler. Et si on terminait les discussions, là, on peut conclure. Donc, le premier jour, on ne pouvait pas directement conclure. Donc, prochainement, je crois, quand elle va revenir, peut-être on pourra conclure. Et que souhaitez-vous pour l'avenir de ces mariages? S'il faut parler de mariage, il y a de cette alliance. En tout cas, de tout ce qu'on a discuté, si ces projets se réalisaient, en tout cas, l'avantage serait de la population et de la jeunesse congolaise. Merci. C'est moi qui vous remercie.